Salut à tous, il est 8h du mat, on se retrouve avec le gars Juju en bord de mer pour une petite session dans des conditions, vous allez voir, qui sont pas piquées des hannetons. Franchement, ça brasse pas mal, il y a de la mousse, je vous laisse regarder, c'est juste terrible. Un petit bar. L'eau a l'air totalement dégueulasse. Ça a l'air crade, ça a l'air chargé. Je sais pas trop ce qu'on va faire, je sais pas trop comment. On va essayer d'analyser ça. Je pense que Julien est parti plutôt sur du leurre souple, colorié jaune fluo. Moi, je suis parti avec deux cannes. La petite canne finesse, toujours classique, et la grosse canne, un peu plus puissante. Je vais tenter, je pense, de faire nager l'Exofly dans ces conditions, voir s'il arrive à tenir la mer, et puis sinon on rentrera un peu dans la couche d'eau avec un leurre souple, un petit leurre souple tout blanc, tout nouveau. Ça peut être sympa. Allez, on se retrouve au bord de l'eau. Ouais, quand je vous dis que ça brasse, c'est que ça brasse. Donc là, on va essayer des premiers lancers avec l'Exofly. Et le gars Juju, il est piqué, direct. Oh putain, c'est bon signe ça. Ça c'est beau. Attends, on va récupérer la ligne. Ah ben c'est bien ça mon Julien. Ah c'est un moucheté dis donc. Un petit moucheté. Ouais, il est beau. Bah ouais, dans les vagues. Un joli petit moucheté. Ah, t'as perdu l'habitude un peu. Pas mal ça, avec le nouveau pied au sarda. Sympa. Ouais, sympa, joli, bravo. On va essayer de pêcher la bordure. Là, vous voyez, à quelques jours d'intervalle, on n'a plus du tout les mêmes conditions de mer. On va partir sur un petit coloris blanc. Ça peut être très intéressant. Piqué les gars. Ouais. Oh c'est joli. Un joli petit poisson. Allez, on va essayer de décourter la discussion. C'est pas très gros. Un petit bar franc. Alors il fait pas la maille, il fait ses 32-34 cm. On va le relâcher gentiment. Un petit bar. Piqué avec le nouveau au sarda. Ah bah c'est bon signe ça, dis donc. Trois lancers, deux poissons. C'est plutôt pas mal. Il y a du fish les gars. Les barres sont là.
On va essayer avec le blanc, puis je pense que je vais essayer un nouveau coloris qui pourrait bien être efficace. Un joli petit dos bleu là-dedans, là, ça pourrait être vraiment pas mal. Il y a pas mal d'algues encore. Hein. Allez, on va changer de couleur. Allez, on part sur un coloris dos bleu, très joli. C'est un peu sur la gauche. Beaucoup d'algues quand on arrive sur le bord. Ça perturbe quand même considérablement la nage du leurre. On va essayer de faire nager ça assez rapidement. On va essayer un petit coup à droite le long des roches. J'ai intérêt de ramener ça vite parce que là il y a beaucoup de têtes de roches. Et c'est des algues. J'y ai cru pendant une seconde. J'y ai cru pendant une seconde. Je pense que les poissons sont en train de reculer. On est sur le descendant. Donc ils sont venus un peu s'alimenter. Et ils se barrent. Donc il va falloir allonger les nages. Pour espérer en avoir quelques-uns de passage. Mais ça risque d'être chaud tendu. Bon, ça c'est pas la bonne couleur. En tout cas, pas pour aujourd'hui. Allez, on change de config. Bon alors, on se barre avec le gars Juju, qui a fait une belle petite réussite, un joli bar moucheté de 40 cm ce matin dans les rouleaux. On était sur la baie de Cayola, là c'est plus du tout pêchable, le niveau d'eau est beaucoup trop bas, donc il n'y a plus que des cailloux, voilà. Donc on va essayer d'aller voir un peu plus loin, si on a un petit peu plus de chance. Allez, à tout de suite. Alors les conditions en mer étant un peu compliquées, on s'est replié sur un estuaire. Voilà, on a un petit peu essayé de pêcher au leurre de surface, pas beaucoup d'activité. Donc on va passer sur un montage qu'on utilise davantage en eau douce. Un petit montage drop shot, voilà, avec une petite potence. Un petit verre de chez Gulp. Monté sur un petit hameçon en 6. Et puis on va essayer de prospecter, voir si pendant la descente, est-ce qu'il n'y aurait pas des petits poissons de passage qui voudraient s'amuser un petit peu. On est donc sur un drop shot traditionnel, hein, c'est-à-dire un plomb 30-40 cm plus loin que l'hameçon, un peu plus bas. Et puis on va venir très lentement gratter le fond avec le plomb et laisser présenter l'appât 30 ou 40 cm plus haut, ce petit verre enrichi d'attractants.
Ah, je crois que j'ai pris une petite touche. La mer s'est extrêmement retirée en bord de mer. Donc on est vraiment venu se replier sur les zones de marais. Tout simplement parce qu'il y a un vrai décalage. Il y a quasiment une heure et demie de décalage avec l'horaire de basse mer. Donc la zone qui n'est plus pêchable là-bas, bah ici il y a encore un peu d'eau. Oh, c'est histoire de s'amuser un peu. On est certain de ne pas faire des gros monstres. Puisque le gros du bouillon est déjà passé. Donc il y a de fortes chances pour que les gros poissons soient déjà partis. Ah, donc vous voyez ce que ça donne quand c'est pas trop mal présenté. Attends, si j'y arrive, voilà. L'hameçon ressort juste légèrement en pointe. Et normalement, à la touche, ça se fait tout seul. Petit travail ? Non, c'est un petit... Allez, c'est dans l'estuaire du Veillon qu'on va se quitter avec cette petite session pêche où ce matin, ben voilà, Juju aura fait son petit moucheté de 40 cm et puis moi un petit bar de 30-35. Relâché évidemment. Je vous dis merci, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!